Bonjour. Au mois de mai 2022, je suis intervenue en soins à distance sur un poney âgé de 11 ans. Sa propriétaire m'avait appelée car elle avait eu recours à des vétérinaires dans les semaines et les mois précédents, mais qui n'avaient rien pu faire pour l'animal, qui était donc aujourd'hui en très mauvais état. Il était allongé dans son box depuis quelques jours. Et elle devait lui apporter le foin, le brosser, tandis qu'il restait allongé. Il était atteint de fourbure aux quatre sabots et elle ne voyait plus qu'une solution, c'était les soins énergétiques. C'est pourquoi elle a fait appel à moi. J'ai donc commencé par m'assurer par mon protocole habituel que je pouvais intervenir sur le poney, voire le guérir. J'ai heureusement obtenu une réponse affirmative, à partir de quoi j'ai déterminé par radiesthésie tous les éléments qui m'étaient nécessaires. Il s'est avéré que j'avais besoin d'utiliser l'homéopathie d'une part et la lithothérapie d'autre part. En homéopathie, il m'était nécessaire d'avoir de l'hypericum et de la belladonna. J'ai utilisé l'une des variétés pendant 4 jours et l'autre pendant les 18 jours de soins qui représentaient la totalité du traitement. Au niveau de la lithothérapie, j'ai utilisé du cristal de roche hein, que j'ai informé par rapport aux fourbures, donc avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir les transmettre par radionique à l'animal à distance. Nous avions convenu avec la propriétaire du poney qu'elle m'appelle le 19e jour pour me tenir au courant et me donner des nouvelles. Donc, chose qu'elle a faite, et j'ai donc appris avec plaisir que le poney allait très bien, puisque depuis quelques jours déjà, il trottait dans le pré, en compagnie de ses petits camarades, deux autres poneys que sa propriétaire possédait par ailleurs. Voilà. Les nouvelles étaient donc bonnes. À bientôt.